sais pas si vous verrez bien, mais c'est tout jaune. Tout à l'heure, on devait avoir 25-27 degrés. Et là, ça, on vient de perdre 8-10 degrés peut-être. Le vent tourne, donc là, on est à Néapolis. On traverse la baie au moteur pour aller sur Elafonizo, se mettre à l'abri. Dans ce soir et pendant 3-4 jours, il y a du vent d'ouest. Et tant que j'ai pas réparé le... changé ou fait souder provisoirement la chape, je vais vous montrer. Voilà. Ce qui a cassé, c'est ça. C'est du 12 ou 14, je sais même pas. Donc j'ai mis des manilles. Là, un bout de dynéma. Et qui part avec un autre bout en dynéma sur un winch. Et je ferai la même chose d'ici, qui passera dans la manille, qui ira, que j'étarquerai avec le guindeau. Pour que ça tienne jusqu'à Argostoli, une ville un peu moyenne où il y aura sûrement un chip ou un soudeur au moins. On passe une grosse soudure. Ça dépendra. Voilà, donc ben, une nuit d'horreur, enfin d'horreur, l'enfer. J'ai chopé vite fait ce matin la Nemo à 46 9 je crois, ou 7 de vent. On a eu sûrement 50 et quelques dans la nuit, parce que à 3 heures je me suis levé, le bateau se couchait, j'ai rajouté 30 mètres de mouillage, j'ai ferlé les voiles. J'ai renforcé, j'ai mis la drisse balancine de Tangon et la drisse de Spi du côté où ça a cassé. Et là, ouais, pas top, pas top, pas top. Là, le vent est tombé complètement, mais alors c'est impressionnant cette couleur. On avait annoncé du Sirocco, mais là on va vers l'ouest. Donc le sud est là-bas, c'est bizarre, on va bien voir ce qui nous attend. Là, en partant, j'ai chopé l'ancre, la chaîne dans un rocher, il nous fallait encore ça. Enfin voilà, quoi. Pas top en ce moment, pas top. Salut, salut, salut.